tchouk, c'est le bruit que fait le ballon sur ce drôle de trampoline. C'est autour de ce sport, le tchoukball, que ces jeunes issus des différents quartiers de Limoges se retrouvent. On n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer en dehors de ce sport. Et du coup, ce sport, ça nous permet d'échanger avec d'autres quartiers. Sur le terrain, deux équipes. Le but, faire rebondir le ballon sur le trampoline et que l'adversaire ne le rattrape pas. Particularité du tchoukball, c'est l'un des rares sports mixtes. Je veux dire qu'on est tous du même niveau au tchoukball parce qu'il ne faut pas des grandes compétences physiques, il faut juste être collectif et avoir une assez bonne technique, ce que les filles et les garçons ont. Donc là, vous attaquez, vous faites le même fonctionnement. Plus que les règles, ce sont les valeurs de ce sport que les encadrants veulent transmettre aux jeunes. Donc vous essayez de vous concentrer. Shaoqi, t'oublie pas que t'as pas le droit d'intercepter ni de gêner. On ne parle pas de jouer contre une équipe, on parle de jouer avec une équipe. C'est la rencontre des personnes, le respect de l'adversaire, la mixité dans les équipes et des moments de partage. Remettre le sport et le tchoukball notamment là où il doit être, c'est-à-dire un support et un prétexte à la rencontre de l'autre. Prochaine étape pour ces jeunes, le tournoi national à Lyon en juin prochain.